Classique 21. Écoutez l'original. Bonjour, cette semaine, le Making of sera consacré à un très très grand album qui va sortir en 1994, l'album de Division Bell de Pink Floyd. J'en profite pour vous rappeler que c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur l'antenne de Classique 21 et dans le Télépro, chaque semaine, les lecteurs de Télépro, que je salue également, comme tous ceux évidemment, de Classique 21. Alors, cet album de Pink Floyd, Division Bell, sera un succès énorme, colossal. Il va collecter, rassembler, synthétiser, je dirais, tout ce qui a fait le succès de Pink Floyd depuis ses tout débuts. C'est excellent, c'est varié. En même temps, c'est extrêmement rassurant parce que, je vous l'ai dit, on retrouve tout ce qui a fait le succès et le son de Pink Floyd. Dans le groupe à ce moment-là, David Gilmour, Nick Mason, Rick Wright, Roger Waters, lui, n'est plus là. Il a perdu le procès qu'il opposait aux trois autres. Et puis peut-être cet album représente bien ce qu'était Pink Floyd à ce moment-là. C'est un groupe heureux, serein, qui va enregistrer la plupart des morceaux sur une péniche à Londres, dans le studio privé de David Gilmour. S'en suivra une tournée gigantesque. Ce sera probablement la dernière fois qu'on avait l'occasion de voir un Pink Floyd sur scène et en grande forme.